Mesdames. Mesdemoiselles. Messieurs. Bonjour. Voici notre émission quotidienne. Du jour. Avec les célèbres agents secrets. Dylan. Matt. Et Vicky. Ce sont les drôles de mecs. Ce soir, ils s'apprêtent à partir en boîte. La soirée va être comme géniale. On va s'aimer. Une étoile sur l'oreiller. Ouais, ce soir, on va en boîte, ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Tu veux du thé? Ouais, je veux bien, ouais. Il est très très bon. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Ma mère me faisait toujours ça. On trouve comment? Écoute, il est vachement bon, moi. Les mecs, Gladys n'est pas là. Non, pas ce soir. Ouais. Eh ben, c'est pas plus mal. Ce soir, changement de programme. Oh non. Oh, mais rassurez-vous, c'est que temporaire. Je vous propose d'aller dans un endroit de rêve, où plus rien ne serait banal et ennuyeux. Un endroit magique, plein de malice et de rire. Au théâtre? Au cinéma? Pas vraiment. Non, si je vous fais Oh, plutôt, tu trouves ça bien? Ouais, cool. Bon, malheureusement, on sera obligé d'y aller en train. J'ai plus de poussière de fée. J'en ai recommandé à Clochette, mais pas à moi de la 10. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Et en plus, on vivra un magnifique conte de fées. Vous verrez, les mecs, on sera les rois du monde. C'est super bien du fragile de retourner en vacances. Des journées pleines de distractions, chantons, rions, dansons. Même l'émission, nous avons de la chance. Super Califragile Euro Disneyland Vacances. Salut Gladys. Désolé les mecs, personne ne va nulle part. Le boulot reprend. Les mecs, je vous présente Madame Poissec. Bonjour Madame Poissec. Madame Poissec, voici les fameux mecs dont je vous ai parlé. Dylan. Matt. Nicky. On est vos fameux mecs. Comme ils disent. Les mecs, Madame Poissec fait appel à nous pour retrouver son père. Bah écoutez, là vous tombez très mal, hein, parce que là... Dylan. Allez, Madame Poissec. Voilà, tout a commencé quand on est allé au supermarché. Pendant qu'on marchait, un type s'est jeté sur mon père et l'a emmené aussitôt. À quoi ressemblait votre gangster? Je sais pas, il était masqué. Mais à mon avis, mais c'est pas normal. Cet indice ne vous dit rien? Mais ce sont les oreilles de Mickey. Les oreilles de Mickey? Ça ne voudrait quand même pas dire que... J'ai compris. Allons à Euro Disney. Oh, mais Gladys, ça nous donnera de bonnes raisons d'y aller. On retrouvera votre père. Et nous, on prendra nos vacances. Mais comment, la voiture a été cassée au dernier épisode? Ouais, et en plus, t'as pas ton permis. Oh, pas besoin de permis. Mary Poppins m'a offert ce parapluie pour mon anniversaire. Eh oui, je l'ai jamais utilisé, mais j'ai toujours su que ça me servirait un jour. Bon allez, ne restons pas là, allons-y, partons. Ben venez vous, hein. Accrochez-vous. 1, 2, 3. Bibidi, babidi, bou. Ah, Peter Pan, Reine ou deux. Je tiens, mon petit garçon. Ouais, on est à Euro Disney. C'est super Califragile Euro Disney en vacances. Des journées pleines de distractions, on chante en rigolant. Les mecs, je vous rappelle qu'on est ici pour retrouver un Mickey sans ses oreilles. Ah, mon pied. Ça va aller. Oh, Gladys. Bonjour Madame Poissec. Je savais qu'on finirait par se retrouver. Pas un geste où j'ai fait sauter la cervelle. C'est lui, c'est le gangster. Mickey sans ses oreilles. Tout le monde à terre. C'est pareil pour toi. Allez-y les mecs, vous occupez pas de moi. Mais d'abord, où est Monsieur Poissec? Ah lui, il est là. Je l'ai rétréci dans Chéri, j'ai rétréci le public. Oh, méchant. Tu sais que t'es pas mal, toi. Si tu me donnais un petit baiser. Hey, tu touches pas Gladys. Tu peux prendre n'importe qui. Mais Gladys, tu touches pas. Ouais. Vas-y, Dylan. Dylan. Ça vous appartient. Ouais, Dylan. J'espère qu'il est pas sonné. Oh,
Dylan. Oh. Tu m'as sauvé la vie. Oh, tu es mon héros. Oh, mais Gladys, vous seriez un homme. Je vous serrerai la main et je vous dirai merci. Mais vous êtes une merveilleuse femme, alors j'ai plutôt envie de vous embrasser. Quelqu'un veut du thé ?